23 mei 1923. België krijgt een eigen luchtvaartmaatschappij, Sabena genaamd. Brugluchtvaart is dan nog een droom, zoals luchtmachtpiloot George Nelis die na de Eerste Wereldoorlog beschreef. De luchtvaart moet de betrekking tussen mensen en naties, die duizenden kilometers van elkaar gescheiden zijn, zo nauw en frequent maken als tussen buren. In 1924 start Sabena met Nelis aan het hoofd, een postverbinding met Rotterdam en Straatsburg. Hetzelfde jaar komt er een passagierslijn naar Basel. Een jaar later zal Nelis' visioen geen droom blijken. Het is 8:00 in de ochtend als de prinses Marie-Josée op 12 februari in Haren bij Brussel opstijgt. Meer dan 8000 kilometer hebben de drie motoren van het Handley Page-toestel voor de boeg. Leopoldstad is de bestemming. Een huzarenstukje waar drie avonturiers voor tekenen. Initiatiefnemer Edmond Thieffry, piloot Leopold Roger en boordwerktuigkundige Jeff de Bruyker. Maar zoals de fles champagne bij de doop door prinses Marie-Josée niet wil breken, zal ook de reis niet rimpeloos verlopen. Al na de eerste etappe in Dijon loopt de tocht vertraging op door een sneeuwstorm. Twee dagen later houdt de Mistral de Marie-Josée in Perpignan aan de grond. Pas 5 dagen na het vertrek kan Thieffry met zijn bemanning de Sahara oversteken. En daarna beginnen de problemen pas goed. Op weg naar Gao verdwaalt het vliegtuig in een zandstorm. Twee woestijnbewoners zetten het weer op weg. 3 dagen later is de Marie-Josée weer de richting kwijt. Met de hulp van een Frans ambtenaar vindt het Niamey. Hoewel een van de motoren defect is, bereikt de Marie-Josée 2 weken later Bangui. Leopoldstad is nog maar 1000 kilometer ver. Maar de schroef is stuk. Het duurt 18 dagen voor een nieuwe uit Leopoldstad arriveert. Na 51 dagen landt het trio veilig en wel in Leopoldstad. 75 uren en 25 minuten heeft de Marie-Josée daarvan werkelijk gevlogen. Tegelijk met Thieffry en de prinses Marie-Josée komen 5 andere Handley Page-toestellen per boot in Leopoldstad aan. De exploitatie van het binnenlands luchtnet in de kolonie kan beginnen. Thieffry's avontuur had de weg getoond. Vanaf 1935 legt Sabena een 2-wekelijkse verbinding met Leopoldstad in. La Sabena, je crois, d'après ce que j'ai pu voir et entendre, longtemps vécu, avec la ligne Congo, Belgique-Congo. Sabena avait un monopole sur cette ligne. Alors Sabena, je crois, n'abusait pas de ce monopole. Sabena a fait un maximum pour que tout le monde soit heureux sur la ligne Congo. Femmes, enfants, petits-enfants, tout le monde. Hein, quand on retrouve encore d'anciens passagers qu'on rencontre parfois. Ah, j'ai fait le vol avec vous, j'ai fait ceci. Bien. Les gens sont encore heureux de pouvoir donc le raconter. Parce qu'en ce moment-là, on volait sans radar aussi. Il ne faut jamais oublier qu'au début, c'était sans radar pendant des années. Et nous passions tous les fronts intertropicaux sans radar. Hein, au pifomètre, aux éclairs la nuit, on essayait de passer entre certains nuages et des éclairs, c'est tout. Et on passait. On était un peu chahutés, mais enfin, les ceintures existent. On était attachés, c'est tout. 4 dagen duurt de reis nog in 1936 met de Marchetti S-73. Met de Dakota's die Sabena vlak na de oorlog aankoopt, nog maar 25 uur. Vliegen naar de kolonie kan nu 4 keer per week. De lijn is een succes. In 1947 vervoert Sabena alleen al naar Leopoldstad 20.000 passagiers. Le tout premier vol, je l'ai fait en 1973 en Afrique. Mais alors c'était Bruxelles, Tunis ou Tripoli. Le Caire, Libengue, Stanleyville, où parfois on se dirigeait vers Elisabethville. Donc vous voyez, tous ces sortes de puces. Évidemment, c'était, comment dirais-je, on voit tous les Noirs qui arrivaient, qui étaient en petite tenue. Si je veux dire, c'était quand même déjà un choc au départ, mais c'était très agréable malgré tout, parce que là, encore une fois, c'était une connaissance du pays et qu'il fallait rencontrer, les gens nous accueillaient beaucoup, très bien. Nous devions mettre, j'oublie de vous dire, mais nous devions mettre un casque colonial parce que notre direction, nos patrons avaient peur qu'on attrape trop de soleil, alors on devait changer de robe, avoir une robe légère pour atterrir et mettre un casque colonial. On est loin de tout ça maintenant. In de jaren 50 blijft Sabena de koninklijke route, zoals de Congolijn ook wel genoemd wordt, verder uitbouwen. De maatschappij neemt Air Congo over.
Het volledige Congolese netwerk komt daarmee in haar handen. Maar in de zomer van 1960 slaat de tij dramatisch om. Le Congo c'est un mauvais souvenir parce que c'est pour moi synonyme d'évacuation. Quand le Congo a récupéré son indépendance, la Sabena a vraiment fait un exploit extraordinaire, est allée rechercher tous ses ressortissants, y a conduit les parachutistes qui ont délivré beaucoup de Belges qui étaient en terrible difficulté. C'est une chose où je crois nous avons le droit d'être fiers. Oui, mes collègues et moi-même, nous avons fourni un travail assez exceptionnel, de nombreuses heures de prestations et dans une ambiance détestable. Le climat qui régnait était vraiment un très très mauvais climat. Nous avons assisté à des atrocités. Il vaut mieux, je pense, oublier ce passage. Mais pour notre société, pour la Sabena, c'est certainement un très bon point parce que son personnel s'est comporté d'une façon remarquable. Ook in Europa kent Sabena na de Tweede Wereldoorlog een sterke groei. De maatschappij vliegt op 20 steden en als een van de eerste ook op New York. En in 1946 loopt nog een nieuwigheid in de kijker. On sortait de la guerre, toutes les jeunes filles avaient envie d'être hôtesse. Parce que, pour commencer, c'était l'évasion, c'était aussi quitter un peu la famille. On avait été couvés pendant tant d'années. Et c'était l'avenir, l'aviation c'était l'avenir. Alors, il y avait beaucoup de candidates, mais il y avait très peu de retenues, évidemment, c'est certain, puisqu'il fallait toutes ces qualités. Il ne fallait pas pour ça être tout à fait jolie, il fallait avoir du charme et un peu savoir recevoir les passagers. Et comme entraînement, on n'en avait pas. On nous donnait une trousse de Croix-Rouge, puis des revues dans l'autre bras. Et puis on disait, voilà, vous allez dans cet avion. Dans cet avion, il y a des thermos, du café et du thé. Et il y a des tasses. Et vous donnez, comme vous faites à la maison. Comme vos parents, votre maman vous a appris, vous donnez du café et du thé. Voilà l'entraînement qu'il y avait à cette époque-là. Du moins, la première année. Après, tout a changé. De eerste vrouw die als hostess bij Sabena begint is Jeanne Brilon. Ze komt enkele jaren later om bij een vliegtuigramp in Canada. Vous savez, Sabena n'était pas la première compagnie. En Amérique, avant la guerre, United Airlines avait déjà une hôtesse. Parce qu'ils estiment que pour les passagers qui n'étaient pas encore habitués de voler, d'être dans les airs, s'ils voyaient une femme qui se promenait dans l'avion, eh bien, c'est que ça devait être très safe, comme on dit en anglais. Et ils ont dit, on va remettre des femmes. Et la première femme qu'il y a eu en Europe, c'était à Suissère en 1939. Mais la guerre étant venue, elle n'a pas professé ou elle a peut-être fait un vol ou deux, c'est tout. Et puis après, la Sabena donc, a dit, nous allons essayer d'être parmi les premiers aussi. Et voilà. Alors après, tout comme on arrive tout doucement, on est de plus en plus nombreux, le DC-4 arrive, qui est un avion donc avec 44 places au lieu de 21. Et là, dans le DC-4, on a commencé à faire le Congo avec le DC-4. On a commencé à faire le Congo et on a commencé à donner des repas chauds. Alors donc, il y avait une autre formation. On devait nous apprendre comment réchauffer les plats, comment les garnir les assiettes. Enfin, on a eu une formation de restaurant, en somme. Mais aussi,
une formation de sécurité encore en plus. À nouveau, on nous réexpliquait à nouveau ce qu'il fallait faire en tant que sécurité. This knife has a very special form, as you can see. It has been made this way. Een carrière zat er voor de vrouwen bij Sabena niet in. Eén titel is gegeerd, die van koninklijk hostes. Hôtesse royale, c'est une chance, c'est un honneur. On est désigné par le palais royal pour accompagner leur majesté où ils vont. Et j'ai eu la chance de faire beaucoup, beaucoup de vols avec le roi Baudouin et la reine Fabiola. Et j'ai fait le baptême de l'Équateur avec le roi Baudouin, quand il est parti un mois en Afrique. Et là, vous savez, il y avait une légende, on racontait aux gens que pour traverser l'Équateur, il y avait un petit bond à faire. Vous savez que certains passagers le croyaient. C'était la ligne, vous voyez, l'Équateur. Et les gens recevaient, qui faisaient pour la première fois la traversée, recevaient un diplôme. Et le roi m'a demandé, qu'est-ce que c'est ce papier? Je lui raconte. Il me dit, et qu'est-ce que vous faites encore? Je dis, on baptise un peu les passagers aussi avec du champagne. Je dis, on leur verse. Mais moi aussi, dis-moi aussi, c'est la première fois que vous pouvez me baptiser. Je dis, si vous permettez, si. Et j'ai baptisé le roi Baudouin quand il a fait sa première traversée de l'Afrique. Enfin, moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai pu faire une carrière complète. Et je n'ai pas dû passer devant cette commission ridicule qu'on faisait aux jeunes femmes qui arrivaient à 40 ans. Il fut un moment, à 40 ans, elles devaient passer une commission esthétique. Ça veut dire qu'elles devaient passer devant un groupe de messieurs pour savoir si elles étaient encore suffisamment jolies ou suffisamment bien. Alors, on leur donnait alors une prolongation de 4 ans. Ça n'a pas marché longtemps parce que là, il y a eu une petite révolte. Plus personne n'a voulu passer cette commission. Enfin, moi, je suis devenue chef hôtesse et on m'a aidée à ce que toutes ces choses s'effacent. À ce que, par exemple, qu'est-ce qui a changé aussi? C'est que nous n'avions pas le droit à avoir des promotions. Il n'y avait que les hommes qui avaient des promotions, pas les femmes. Nous étions moins payés, pas de promotion, et pas de carrière et pas de pension. Et alors, c'était beaucoup de choses. Et pas pouvoir se marier, c'était quand même beaucoup de choses. Enfin, tout ça, ça a été réglé petit à petit, vous savez, tout doucement. Sans trop brusquer, ça s'est fait. Maintenant, c'est pour ça que je vous dis, maintenant, c'est un métier comme un autre. In 1950 verschijnt de vreemde vogel op de luchthaven. Sabena start een experiment met helikopters. Armand Vervoort was de tweede piloot met een helikopterlicentie. J'ai commencé en 1950, il n'y avait pas encore d'hélicoptère à l'époque. Et je vous dis que nous sommes allés en Amérique pour apprendre à voler sur cette machine. Et oui, c'est un travail de pionnier. D'ailleurs, l'hélicoptère à l'époque était un engin qui était loin d'être au point, qui donnait beaucoup de difficultés au point de vue reliability. Il n'était pas très fiable pour parler français. On a eu beaucoup de pannes, beaucoup d'ennuis. Mon collègue Trémery est versé dans la Meuse au décollage à Liège. Ça a fait une des journaux. Enfin, c'était assez aventureux. Mais le vrai travail, c'était de prouver que par tous les temps, il y avait moyen de faire un circuit postal en hélicoptère. Ce qui était loin d'être vrai. Parce que ces hélicoptères n'étaient pas équipés pour le vol aux instruments. Et par mauvais temps et par gros vent, c'était extrêmement pénible et très aléatoire. Mais en 3 ans, la Sabena a acquis une énorme expérience en hélicoptère. Probablement une expérience qu'on peut qualifier de mondiale. C'est un fleuron pour la Sabena. C'est un fait. 500 kilometer lang is het luchtpostnet. De Bell 47 doet het in 4,5 uur. Toch moet de helikopter het uiteindelijk afleggen tegen de goedkopere trein. Par la suite, ils ont remplacé le Bell 47D1 par un S-55 et puis par un S-58 que vous voyez ici, notamment à l'occasion de l'exposition universelle de 1958. Et ils ont commencé un projet très ambitieux qui consistait à transporter en ligne régulière des passagers payants entre Bruxelles et Paris, entre Bruxelles et Rotterdam, etc. Techniquement,
c'était un très grand succès. Économiquement, c'était un désastre. Et c'est pour ça que dans les années 62-63, l'hélicoptère a été supprimé. Et tous les pilotes d'hélicoptères de l'époque sont retournés à l'école et ont refait une conversion sur ce qu'on appelle l'aile fixe. Moi, j'ai échappé à ça. En 53, j'étais déjà sur avion. Einde jaren 50 slaat de Belgische luchtvaart een nieuwe richting in. In 1958 verhuist de luchthaven van Melsbroek naar het modernere Zaventem. En er is nog vernieuwing op komst. In 1960 neemt Sabena, bijna als eerste in Europa, de Boeing 707 in dienst. Het toestel heeft 4 straalmotoren, waardoor de maximumsnelheid quasi verdubbelt. Vliegen zal nooit meer hetzelffde zijn. Le jet est une révolution, oui. Je peux même raconter une espèce d'anecdote. Avant la guerre, quand on m'a parlé, moi qui étais passionné d'aviation, on m'a dit il existe des avions qui volent sans hélice. J'ai cru qu'on se moquait de moi. Un avion sans hélice, c'était inconcevable. Et cependant, maintenant, on ne pense plus qu'à ça. Un réacteur est devenu d'une banalité extraordinaire et c'est l'avion à hélice qui est devenu une curiosité. Mais à l'époque, c'était une révolution. Et la façon de voler, la façon de travailler était fort différente. Et tout ce temps que nous sommes, nous avons dû étudier et travailler très fort pour nous adapter à cette nouvelle façon. Mais pour le passager, c'est un succès extraordinaire. Le confort, on vole beaucoup plus haut, on vole beaucoup plus vite, on est plus secoué dans les nuages, on va d'un point à un autre avec une fiabilité extraordinaire. Non, le jet, c'est une révolution. Et économiquement, un succès sans précédent. Le jet a changé la façon de voyager, certainement. Les systèmes économiques n'existaient pas. Avec le volume, on a pu augmenter, malgré tout, diminuer un peu l'écartement et la distance entre les sièges. Et on a commencé le système économique. On a mis beaucoup de monde dans l'avion. Het massatoerisme is geboren. De vliegtuigen worden groter en groter. Telde de naoorlogse DC-4 55 plaatsen. De Jumbo 747 heeft er 361 en die moeten allemaal gevuld. Economy Class brengt de oplossing. Vliegen kan nu iedereen. On avait beaucoup plus de travail. Hein? C'est normal, c'est différent. Et nous avons moins le temps de nous occuper des passagers. Parce que quand on est seul et qu'on n'a pas beaucoup à donner aux passagers, on a tout le temps pour bavarder avec eux. Tandis que avec le jet, c'est fini, on a trop de travail.
On essaye encore sur long courrier, on a encore un peu de possibilités, mais c'est parfois très difficile. Et puis maintenant, 747, le dernier que la Sabena a eu avant son décès, 10, qui n'est plus, eh bien, il y avait le cinéma à bord, il y avait tout ça. Tout ça vous coupe du passager. Parce que qu'est-ce qu'on attend? C'est vite, vite, vite faire le service pour pouvoir profiter du cinéma à bord. Ça change les mentalités. Ça change les mentalités et du personnel et des passagers. C'est un hôtel volant. Met de jets neemt ook de internationale concurrentie toe. Een bitse prijzenoorlog volgt en dan slaat de economische crisis toe. Les années 70 ont été les années noires de la Sabena. Nous venions de perdre notre colonie et notre colonie était la vache à lait de la Sabena. Grâce à son Congo, la Sabena était une des premières compagnies mondiales, pas européennes, mondiales. Nous étions dans le top 10. Le plus clair de notre activité se passait entre Bruxelles et le Congo belge. Nous transportions des avions presque toujours pleins et économiquement, c'était une source de revenus très, très appréciable que nous avons perdu d'un coup. Et il a fallu s'adapter et ces années ont été très, très dures, surtout pour le management, mais également pour le personnel, parce que vous savez que travailler dans une société qui perd de l'argent et qui est au bord de la faillite, socialement, ce n'est pas enviable. Mais il faudrait plutôt demander cette question à un économiste, ce n'est pas tout à fait du domaine d'un pilote. De jaren 80 en 90 zijn jaren van herstructurering. Al sinds 1958 zat Sabena onafgebroken in slechte papieren. Maar na het samenwerkingsakkoord met Swissair in 1995 lijkt het herstel zich in te zetten. In 1997 is er weer winst. In 75 jaar is Sabena erg veranderd. In het beginjaar had het een paar honderd passagiers, nu jaarlijks bijna 7 miljoen. Toen waren er 14 vliegtuigen, nu 70. Een vlucht naar Leopoldstad duurde 51 dagen, vandaag nog slechts 9 uur. Maar de droom is onveranderd gebleven. Mensen duizenden kilometers van elkaar gescheiden, elke dag bij elkaar brengen. Les gens, c'était comme Sabena, no hay problemas. Et c'est un peu vrai. Avec la Sabena, il n'y a jamais eu de graves problèmes. Tout le monde faisait un maximum, tout le monde y mettait du sien. On le fait maintenant, mais je crois que nous le faisions aussi, avec beaucoup de succès. Tout se passait bien avec la Sabena.